Aujourd'hui, nous allons reprendre l'écriture des lettres qui se font avec la petite vague. On trouve cette petite vague, on l'a déjà vue, dans le vent. Elle se termine, la petite vague, par un petit trait pour accrocher les autres lettres. On trouve aussi cette petite vague dans Monsieur Y. On descend tout droit et on fait la boucle qui va en bas. Je refais la petite vague, je descends dans la terre et je remonte comme ceci. Et on trouve aussi cette petite vague dans le wagon. Le wagon. Il se fait d'abord comme le vent. Mais ici, tu descends comme pour faire Monsieur Y et tu fais une autre canne qui se termine comme le vent. Je recommence une première vague. Je redescends comme si je faisais une mademoiselle U. Et je termine comme le vent, le wagon. Et nouvelle lettre aussi que nous allons apprendre aujourd'hui, qui nous manque puisqu'on les a pratiquement toutes faites. Voici le diu. Le diu. Pour faire le diu, il faut penser, on part du bas de l'herbe, on enroule comme si on voulait faire un escargot. Et on vient y coller un cornichon. Je recommence. On fait comme si on voulait faire un escargot. Et on vient coller un cornichon. C'est le diu. Avec ces lettres, on va pouvoir faire le prénom de Maxence. Alors, comme tous les prénoms, il commence par la grande lettre. Maxence, c'est un monstre. Un petit trait pour attacher Monsieur A. On attache le diu, donc l'escargot et le cornichon. Madame E, le nez, le cornichon et Madame E pour finir. Alors, je recommence en plus petit. Alors, le monstre, Monsieur A, qui s'attache tout de suite à Monsieur A, Madame E, le nez, le cornichon et le E. Voici le prénom de Maxence. Avec le wagon, nous allons écrire le mot wagon, justement. Le nom du wagon, ça commence par un wagon. Monsieur A, le Lulu. Monsieur O et le nez, le wagon. Je le refais une autre deuxième fois. Le wagon, Monsieur A, tout de suite attaché au wagon, le Lulu.
Alors, vous souvenez-vous bien que monsieur a le wagon, le Dulu, monsieur A et le Dulu, ça commence toujours un petit peu plus loin, comme monsieur O, et ça vient s'attacher après en tournant à la lettre qui est devant. Et pour finir, le nez. Voilà pour aujourd'hui.